Salut à tous, c'est Jeff. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Et ici, on va reprendre la campagne que j'avais commencé en stream avec donc les anatomistes. Donc, c'était une campagne que j'avais commencé il y a un petit moment, que j'avais fait en stream. Et on va la reprendre cette fois-ci en série de vidéos régulières sur YouTube. Alors, pourquoi la reprendre en série de vidéos et pas en stream? Je pense que d'ici là, je devrais avoir sorti une petite vidéo pour expliquer tout ça. Mais en gros, niveau planning, c'est assez compliqué de faire des streams en ce moment. Et de record des vidéos tout court, hein, vous l'aurez remarqué, je pense. Donc, je pense que je mettrai le lien de la vidéo au pire dans la description si ça vous intéresse. Mais enfin, bref. Du coup, on va reprendre la série cette fois-ci en vidéo. Et donc, on s'était quitté, on avait quand même une belle équipe, je me rappelle. Donc, on avait tous ceux, les noms avec les streams et tout ça. Donc, c'est vrai qu'on avait notre mascotte, évidemment. Hein. Mais on commençait l'air de rien petit à petit à avoir un beau. Une belle équipe quoi. Alors il y avait des points à signer. Non, plus trop d'esquive. Un double-handed. Ça m'a l'air pas trop mal. Les The Bonobo. The Bonobo, on avait ça. Mais je suis quasiment sûr que si je mets ça, là, on va essayer. On va essayer, mais je pense que ça marche. Et après, on avait El Croco. El Croco, 3 de fatigue, hein, c'est toujours ça de prix. Alors, El Croco, il fallait encore qu'on détermine quelle arme on voulait te mettre. 1, 2, 3, 4. Ça reste combien de points? 2. Qu'est-ce qu'on va te mettre? Un petit Rich Advantage, ça c'est sûr. Et après avoir. Alors, ce qu'on récupère comme arme lourde, après on avait quoi dans la. Alors, on avait du remplacement en cas de besoin. Ok, bon, on était plutôt pas mal en vrai. Niveau follower, on avait donc le barde, le chirurgien, le scavenger et le recruteur. Et donc là, oui, dans l'idée, on était un peu. Alors, si je dis pas de conneries, j'ai encore mes mods. Ouais, donc je peux voir un peu que je n'avais pas. Que je n'avais pas lorsque j'avais fait les streams, si ma mémoire est bonne. On va entrer mal, donc on va pas vendre ici, évidemment. Destroy Tent Camp Sound of Windburg. Windburg, c'est où? C'est là. Bon, on peut essayer. Hein. 2000 balles, quand même pas rien. Alors, est-ce qu'on avait des chiens? Je crois pas. Hein. Alors, pas beaucoup. Non, on n'avait pas de chiens. On va s'en prendre un ou deux, je pense. On fait pas les affaires du siècle, mais je pense que ça peut être très 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 utile d'en avoir. En cas de problème, on lâchera les chiens. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette mécanique de potion aussi. Il fallait boire un peu, il fallait se faire des petits cocktails. Fallait se faire des petits cocktails. Et il fallait encore faire les pièces d'armure. C'est vrai qu'on avait toujours pas fait ça. C'était un peu à la traîne à ce niveau-là. Un helmet. Oui, ça sent trop bien. C'était un peu à la traîne. Hein. Niveau diplomatie. Ah non, on était pas avec tout, on avait fait les guerres du Sud. Qu'on avait gagné, nous avions remporté et repoussé les envahisseurs. La grippe sur des siens aussi à cause de. On dit sur tête, allemand, ça sonne, il me commune. Attendez. Ouais, t'es toujours en équipe. Bon, t'es payé peut-être plus cher, mais bon, ça c'est. Oui, ça y est, brain damage, ça aussi. On avait bien joué. Ok. Donc on était en train doucement de se faire une équipe avec que des armes à deux mains, histoire de calmer tout le monde. Plethora of Orion. Oh, ça c'est gratuit.
On va peut-être attaquer le jour. Toi, t'as pas d'arme de mêlée. Hein. Un couteau quand même. On va peut-être attaquer le jour pour. Comment dire? Pour pas avoir les malus sur notre archer, évidemment. Ah oui, Dark Arm, c'était chiant. Dark Arm, c'était un peu la merde. Pas se mentir niveau fatigue. Après, on peut toujours espérer pouvoir se soigner un jour quand même. Un 14, bon ça va normalement. Voilà, mais quelle belle équipe. Bravo à tous. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avancer un pour qu'il tanque la charge. Dans l'idée. Galip, tu m'avais pas l'air très fort non plus. Le reste va passer évidemment. Bon, normalement, c'est pas un combat très dur. C'est con ça. On peut se placer là. Toi, tu vas attendre évidemment. On va mettre l'épée ici. Donc, toi, idéalement, on voudrait que tu te places là. Le problème, c'est que ça t'avance pas mal. Donc, on va te faire attendre. Alors je vais pas leur faire terminer le tour au cas où il y a des charges pour les assommer, comme ça ils rejouent derrière. Et ça enlève le stun tout simplement. Là. Toi tu peux lancer et tu ne peux pas taper. Ah, et toi, je te l'avais pas encore mis Pathfinder, donc il faudra que je te le mette. C'était qui? C'était toi, je savais pas si ça marchait. Hein. Là, ça te coûte 3 de te déplacer. Mais normalement, dans les marais, c'est 3 de base. Donc, ça aurait dû lui coûter 4. Donc, je pense que ça marche. 91%, je suis quand même. Ouais, de base, c'est 3 pour déplacer dans les marais. On pourrait utiliser les chiens une fois qu'ils seront un peu plus au corps à corps, je pense que ça peut être une bonne idée. Ça peut même être une très bonne idée. Est-ce que je dois utiliser l'adrénaline? Je pense que ouais. On va attendre qu'il se place, je pense. Après, je pourrais avancer lui pour être sûr que ça charge pas. Mais de toute façon, ils pourront se placer là et charger, donc. Ça, c'est très bien joué, ça. C'est très très bien joué. Ok, ils l'ont assommé, ils ont pas assommé celui qui m'a. Il a que 30 HP, c'est vrai que. Oui, c'est Chipsman quoi. Dommage. Et 7 HP m'aurait permis d'éviter du saignement, mais bon. Alors, est-ce qu'on veut neutraliser les armes de distance? Je pense pas particulièrement. On peut se concentrer sur ceux qui sont devant. Son pyro, on peut les traiter de loin. Dommage. Ok.
On va lâcher un chien, je pense. Histoire d'éviter qu'il se fasse encercler, puis bon. Encore une fois, les chiens, ça reste des pertes acceptables. Hein. On va pas. Ah, Olivier. Ouais. Si je mets adrénaline, ça lui fait 20. Il va recouvrir, parce qu'il récupère à 32. Je pense pas. Dark Camp risque de nous quitter, hein. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est de faire lever le bouclier, voir si d'autres se rechargent. C'est regrettable. Ok. Lui déjà en fuite, donc on n'a pas forcément besoin de lui tirer dessus. Bon, tant pis. On va essayer de tous les mettre en fuite. Alors toi, je pourrais te faire lever le bouclier quand même, vu que t'es au milieu de 35 personnes, ce serait une bonne idée, je pense. On va peut-être là. Préparer pour le prochain tour. Olivier, on va te faire permuter avec. Ah, il a plus d'énergie. Ouh, ce bonhomme qui a pris cher l'air de rien. Ok. Il commence à fuir, c'est bon pour nous. Surtout que ça va s'amplifier. Ah, exactement comme ça. Bon, soit je peux t'avancer si tu crains plus rien. Ah, quoique si, à lui. Ouais. Ah, oh, mais crains plus des masses. Toi, t'es pas obligé de taper. Toi, tu peux aller là. On va faire ça pour briser le moral. La même idée hein, de briser le moral, évidemment. Dommage. Dommage, dommage, on aurait bien aimé les tuer. À se placer là pour que celui qui s'enfuit puisse être chassé. Faut réussir à le toucher quand même. C'est énervé par ici. Bon, Dark Camp, tu es une perte acceptable. Si je le mets en bas, est-ce qu'il va se placer? Ouais. Je sais jamais, hein, tu rattrapes un fuyard.
Ah, bon, allez. Finissez en an. Hop, 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 hop. Bonjour. Ah, il va l'avoir, hein. À l'usure, mais il l'aura. Bon, on va te faire swap après. Non, on peut passer les tours complets, on va. Bon, allez. J'aimerais en finir assez vite. Bon, une bataille qui s'est plutôt bien passée, on n'a pas eu de pertes. Ça nous fait l'XP, c'est bien. C'est terminé. On a un blessé. Bon, du loot. Donc la potion attaque against armor. Très bien. On l'avait pas déjà ça. Bon, toi t'es à moitié Klaatos. On va Michel en front. Stretch and catch. Ah oui, on avait Sephirosama. Oh, plus 3, ça c'est bien joué. Plus 4 quand même. Non, la fatigue toujours prendre. Notre spécialiste de la hache. Alors, est-ce que je te garde du coup avec des armes légères ou je te peux te prendre avec des armes lourdes? Bon, je vais te mettre Battleforge déjà. Alors, bon, alors ça. Parce qu'à base, il faisait plus genre aux heures de la game, mais bon. Au bout d'un moment. Non, faut être cohérent quoi. J'ai pas eu assez de points pour. Oh, il manque trop fort rien. Après, non, on n'a pas de grand blessé. Ah oui, alors, c'est vrai qu'il y a. Comment ça s'appelle? À The Bonobo, on pourrait lui mettre Colossus quand même. Ce serait pas une mauvaise idée parce que franchement, là, c'est un peu une chips. I smell the désastre. Hein. Many Mercenary, a Swordmaster. On était en guerre, nous? Non, on était en guerre contre personne. Hein. Pff, j'ai pas envie d'être en guerre? Non. On va être honnête, ça. Il doit y avoir des brigands dans cette maudite région. Destroy drafty shack south of Peterfell. On va repartir. Hein. Ici, ça nous disait quoi? Buy price, ouais, c'est pas le meilleur. Bon, on a quand même des outils, on va les prendre. Et ça qui est pas trop cher. Et ça parce que c'est important d'avoir les couleurs de la compagnie. Hop, on cache nos anciens massacres. Un peu de bouffe, non? C'est oublié, putain, j'ai pas regardé où c'était. Oh, bah, je suis juste à côté, bah oui, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Donc le Fletcher, on avait ça. Alors ce qu'on voulait maintenant, oui, c'était aussi des armes légendaires. Ou du stuff légendaire.
Après, 19 000, c'est une somme. Donc il y avait ça aussi, pour avoir nos armures 210 plus des pins. On était où d'ailleurs niveau armure? On avait 250, mais c'était pas l'armure. Non, t'as 225. Là, on avait 240, donc on en a une. 210. Donc il faudrait un pins pour celle-là. On était loin encore. Hein. Les casques, on les a plus ou moins. Si c'est 230, on est bon. Et niveau armure, ouais, il nous fallait des pins. Ou des armures tout court, mais... C'est quoi? Vibrigant. Bon, on a besoin d'XP, donc de toute façon... Bon, Darkhand, c'est vrai que... C'est dommage, on avait Iron Lungs et tout, ouais, mais... Alors, je sais qu'il existe des mods pour enlever les blessures permanentes. On pourrait se mettre ça un jour aussi. Faire les campagnes tranquilles. Dommage. Bon, on va laisser avancer, hein. Voilà, exactement. En fait, on peut même passer complètement, je pense. Il devrait avoir une arme de jet en général. Non. Ok. Ouh, ce sont audacieux. Mes petits. Pas audacieux, je veux dire que c'est à chier. Ok, ça c'est bon. Donc, comme prévu, il avance. Le problème, c'est qu'on pourra pas rejouer, donc on va taper même s'il y a le bouclier qui est debout. Donc, il est levé, c'est pas dramatique non plus. Voilà. Non, il a pas levé son clé, c'est bon. C'est l'autre qui a levé. Bah, ça a l'air de marcher, hein, la technique du... de la maîtrise du terrain. Ah, parce que ça coûte 2-3 de base. Oh! Salaud! On l'avait pas vu. Salaud. Lui il a joué. Alors, j'ai peut-être pas te repousser parce que là, je te refous sur la case qui est un peu con. Bon, attends. Tuez-le. Tuez-le. Allez, là je te repousse. Voilà. Ok, on a dégommé l'arbre. L'arbre n'a rien pu faire. Ce petit regard vicieux. Ah bon, on peut te rapatrier. Pareil, hop. Ah, en soi, il est en shield wall, on peut faire un partout quoi. Je
mais là il devrait avancer je pense. On va te mettre là, ça arrivera vite à faire. Bon, on est down hein, s'il fuit. Coucou. Hop là. Bon, il est en hauteur, mais on s'en fout vu qu'il fuit. On va pas s'emmerder. Albump. Bah excellent tout ça. Alors, est-ce qu'on a des armes qu'on peut réparer avant de les vendre? Ça, on pourrait le réparer. Donc ça, c'était... Ouais, ça, c'était des masses. Pour hammer. Long axe. Ça pourrait être sympa de te mettre ça. Vu que de toute façon t'as la maîtrise des haches. Et à l'occasion tu sors ta... Est-ce qu'il a... Après il a pas quick end qui fait que du coup ça limite un peu l'intérêt. Bon il faudrait débarrasser les couteaux aussi. Je pense qu'on peut vouloir. Nous ça fait 1 milliard d'objets. Oh, il nous plombe le moral. Master, le Sword Master. On pourrait se dire qu'on déclare la guerre à un endroit, mais bon. À un bout de la map. Mais. L'intérêt, c'est qu'on récupérait des belles primes. Mais bon, le défaut, c'est qu'on se retrouve en guerre contre un bout de la map. Crafty Shack. Du Goblins. Bitterfell, on achète cher et on va en best-sell à la dette. Hop. Pas la porte à côté, elle a dette. Ouais, c'est glamour, enfin bon. C'est pas non plus... Il aurait eu 3 étoiles, bon on négociait quand même. Mais il les a pas. Combien on en achète le... Ouais. On va faire ça. Et la dette c'est loin quand même. On pourrait y aller mais... Histoire de vendre un peu tout ce qu'on a. De remontrer pour faire la quête tranquillement derrière. Beaucoup de loup. Ça me gomme un peu cher, ça me gomme un peu cher. Bon, c'est pas normalement une équipe qui est très 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 dangereuse, mais... Enfin, elle est pas très dangereuse, elle est pas très dangereuse, mais il y a quand même pas le perse armure, donc bon. Bon, le problème c'est ça. On a peut-être dû mettre des boucliers. Après, ils ont 32 quoi. Bon, s'ils font que ça, ce qui est chiant, c'est que génère la fatigue, mais à part ça. Alors, c'est vrai qu'on a le chien en poil balancé. Pour qu'il aille les faire chier. Toi, je vais te mettre là. Du coup, je vais te faire terminer ton tour. Je pense qu'il faut se faire un petit sprint. On va garder quand même la ligne. Je pense qu'on met le...
On met lui là, et s'il se place là, ça va être un... ça va aller très vite. Sacré MacTavish. Alors, ce qu'on peut faire par contre. Dommage. Toi, on a toujours pas. Non, évidemment, on n'a pas la. La Pull Arm. Qui est très très puissante. Ok, il bouge pas, il reste en défense. C'est une bonne nouvelle. 19%. Et eh ben, on n'est pas rendu. Bien joué. Bien joué. Toi, on va te placer là-haut. Tu seras en soutien. Toi, on va te faire aller là. Si on peut te faire taper, on va le faire tous les jours. Tamim, on s'en fout s'il meurt, non? Donc si on le met là, normalement, il va peut-être se faire prendre le focus des archers. Le placement est pas terrible. Alors, je préfère 100 fois qu'il lance des bolas, parce que les bolas font très peu de dégâts, en fait, plutôt que... M'approcher au corps à corps et forcer à swap son arme de base. Bon ben Dark Camp, voilà quoi. Dark Camp, c'est pas fou. Est-ce qu'on lâche un chien? On pourrait, en vrai, la ligne s'est éloignée en fait, du coup. On est un peu con, mais hein. Ça va les faire chier, c'est déjà ça. Alors, dommage, t'aurais pu être utile. Préparer le prochain tour. Moi, je serais chaud pour le libérer. Voilà. Tu vas mettre un bon coup. Dommage. C'est encore plus dommage. J'aurais peut-être pu le faire courir vers les archers, c'est vrai. Ça aurait peut-être été mieux. Qui commence un peu à les empêcher de tirer. Mais bon, j'ai un peu l'impression que ça va aller très très vite donc. Avec le poison, du coup, il n'a fait qu'une seule attaque. Bon, c'était un peu. On tentait le moonshot, on l'a pas eu, mais. Ça aurait pu. Ça veut pas, ça veut pas. Fonce, Liman, fonce! Va faire attention parce que peut faire beaucoup de dégâts qui perdent sa armure. Enfin, qui ignorent l'armure. Avec leur petit couteau. Couteau de connard. On va directement se placer contre lui, hein, vu que lui s'enfuit. On n'a pas besoin de se faire chier. Hein. Après, l'avantage, c'est qu'ils ont très peu de points de vie. Ils ont combien? 40, ouais, c'est des chips, ça. Des petits crackers.
Bravo à tous. Oh. Bien ça. Ah putain. Virer flèche. Virer moi. Alors, on va quand même aller, je pense, à la dette pour vendre. On a énormément de stuff. Et si on sait. Alors, bon, grâce au mode, on sait que c'est là-bas où on vend le mieux. Je pense que ça vaut le coup de se faire une petite promenade. Petite promenade jusqu'à la dette. Alors je pourrais les combattre, ouais, bah, de toute façon on va pas trop avoir le choix. Ce qui est chiant en fait c'est que j'ai plus de place pour les loot, donc du coup. Mais bon, visiblement ils ont décidé d'être chiants. Après ce qu'il y a de bien, qu'est-ce que je peux récupérer de bien là-dedans? Que dalle. Oh les petits mouvements. Ok alors il y en a qui foncent, il y en a qui foncent pas. Matspoon, quelle est la stratégie? Si je te fais avancer, je te fais taper, je pense que c'est pas mal comme strat. Hein. Pas besoin de m'emmerder à faire plus compliqué. Hein. Voilà. On avait une chance sur deux même. Ok, ils passent tous. Ils vont avancer de 1, on va tirer. Hein. Est-ce que j'ai envie de les faire avancer? J'ai envie un peu, ouais. Au moins de 1 déjà pour que ma ligne s'éloigne pas trop les uns des autres. Vais quand même tenter de retaper en première. Ok, ça c'est bien. Ah, 20 ou 29. 29, hein. Ok. Ils avancent. On va faire gaffe à la pole mace. Après, ils sont pas très très bien placés. On va pas se mentir que lui, il va mettre un bon swing avec le marteau normalement. Si on arrive à éliminer lui, on peut déplacer le. On va faire ce qu'on va attendre. Je peux te placer là. Dommage. Ah, toi tu vas attendre. C'est chiant, il change un shield wall, mais bon tant pis, ça ferait. Ok, lui il va taper comme ça, je pense. Je vais même pas le faire taper, je vais juste faire garder son énergie pour qu'il puisse tanker. Ici. Voilà comme ça. Toi, je pense que tu gagnes le duel. Un fois confirmé, mais. Je vais le repousser parce qu'en fait, si au tour d'après il avance, il met une attaque, il pourra pas mettre son shield wall. Et s'il le fait pas, bah, il perd son tour. S'il fait juste un shield wall, bah, il va juste tanker, donc c'est pas trop grave pour moi. Oh, dommage. Ok. Ce petit coup de sable. Plutôt par là-haut.
Il a pas de bouclier, donc il est facile à toucher normalement. Ok. Ok, il a tenté un swing, bon. J'ai quand même une équipe qui tank bien. Ouais, bon. C'est vrai qu'ils ont leur petit lancer de sable aussi. Compétence un peu chiante. Je vais peut-être attendre, voir si je peux pas se faire refaire autre chose. Alors, la plus dangereuse, c'est évidemment la hache lourde. Hein. Bon, peut-être voir si je peux pas. Voilà. Voilà. Dommage. Bah du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de le tuer lui. C'est vraiment chiant par contre, on touche pas. Ah, si on l'avait touché, peut-être il se serait barré. Bon bah. Tire au pif. Hein. On touche, c'est merveilleux. Courage, fuyons. Oh, mais avec son swing, il fait pas très mal en fait. Et 39% malgré le bouclier levé, quand même pas mal. Hein. Bah toi. Hein. Normalement avec là, quand même. On l'aura pas touché une fois, dit. Coucou. Ok, ils ont raté leurs deux stuns. Bon, c'est incroyable, ils sont pas touchés l'un à l'autre, c'est très beau combat. Combat plein de suspense. Non, c'est pas ça que je voulais que tu fasses. Ah, bon, on va foncer sur lui. Plus d'énergie. Voilà. Ancienne, hein. Normalement, la pole mace comme ça n'a pas de quoi eux, donc je peux m'approcher avec plein de mecs d'un coup sans risquer un drame. Ah bah voilà. La tire de l'année. Non. Bon, ben, un combat rendement bien mené. Bon, sans surprise, hein. On est quand même vachement fort à cette étape de la game. Alors, c'est le moment chiant où. Ouais, stack pas ces connes. Où il faut. Bon. Sans difficulté après. Les clubs, bon.
globalement ça, hein. Je pense que là on n'est pas trop mal, hein. Bon, il y a peut-être 1 ou 2 centimes optimisés, mais bon, on va aller vendre. Réponse à temps là. T'as plus de bouffe aussi. Alors normalement on vend bien. 149. Ah oh, bah putain, on va se faire des couilles en or, je te le dis. Qu'on avait autant de flèches, quelle erreur. Est-ce qu'on regarde ça? Si, il nous en faut, il y en a pas lui. Jean Michemuche. C'est cadeau. Ensuite les armures, bon, une à 110 pourquoi pas. On garder une à 80, ça me fait vraiment chier. Ah merde, ça c'était pour mes archers. Bon, c'est pas grave, celui-là. 230 on garde, 105 bon. Bah, tu te fous de notre gueule aussi. Ça s'avère, ça s'avère, ça s'avère, ça s'avère. Bon, on aurait pu réparer, il est vrai, il est vrai. On n'optimise pas au moindre, au petit centime près, quoi. Mais ça représente beaucoup quand même. Ça, je m'en fous. Les fléaux, je m'en fous aussi. Ça, par contre, on voulait les garder. On peut garder un ou deux couteaux, quoique. En vrai, je les ai, mes couteaux. Hein. Ça, c'est quoi la Warbrand Sword 2-Handed? Ah, mais c'est moins bien qu'une longue sword, non? On va peut-être pas se garder 38 masses non plus. En fait, est-ce qu'on va jouer masse, il y a peu de chance quand même. On a déjà un marteau, on va en garder un, on va garder ça aussi. On peut garder une longue axe en vrai. On a combien des trucs comme ça? On a déjà deux, on va peut-être pas en prendre 45 non plus. Hein. On va en garder, je pense. On va en garder une. Des arcs. L'arc, on va en garder deux. Quand on tombe sur un nécro ou quoi, et qu'il nous faille un peu de portée, ça par contre, bon. Côté conneries. Bouclier, on va garder ceux-là et celui-là, je pense. Le reste peut dégager. Ah, ça peut dégager, ça aussi. Ça encore, on pourrait s'en servir pour craft, mais au pire, on en aura beaucoup dans un seul combat, je pense. On vend tout ça, de toute façon, là. Ça, c'est des trucs qu'on peut refarm, donc. Qu'est-ce qu'il nous faut? On va peut-être pas prendre. Ouais, les prix d'achat sont pas donnés, mais enfin bon. Vu à quel point on vend bien, je pense que. Ouais, c'est que ça valait le coup. Ah, est-ce qu'il y a un armurier ici? Je sais plus. Weapon Smith. Bon, y a rien. Bon, ça coûte un bras. Cut Armstrong. Yep, c'est cadeau. Alchimiste, alors c'est vrai qu'il faudrait y avoir le shotgun, mais on l'a toujours pas. Ici. Il y a quoi là? Survivor. Ça c'est pas trop mal. Non. Moins de défense de mêlée, c'est pas. Toi peut-être? Non. Bon, mais je pense qu'on va faire ce qu'on va remonter dans le nord. Hein. Pas trop le choix de toute façon. Bah, je pense qu'on s'arrête à cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous y a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous retrouve à très bientôt sur Gijev pour la suite du Let's Play avec nos amis les anatomistes. Allez, ciao, ciao!